dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul, mais pas n'importe laquelle. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un haul de vêtements du site Rosegal, par qui j'ai été contactée il y a un petit moment pour une collaboration, et donc du coup j'ai pu avoir un budget pour pouvoir commander sur leur site et ensuite vous présenter les vêtements en vidéo et vous les présenter bien entendu, essayer. Alors je me suis fait plaisir, c'est à dire que j'ai tapé dans des vêtements à la fois Noël et un peu plus classique, mais j'ai pris beaucoup de hauts et j'ai super hâte de vous les montrer parce que je suis trop fan. Juste une chose, en dessous de la vidéo je vous ai mis plein de petites informations parce que Rosegal fait bien entendu le Black Friday comme la plupart de tous les sites internet. Je vous ai mis un code vous permettant d'avoir moins 25% de réduction avec des liens. Et la livraison est gratuite à partir du 23 novembre. Donc du coup, voilà, si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, c'est le moment d'y aller. Franchement, ça vaut vachement le coup. Donc en dessous de la vidéo, je vous ai mis tous les liens. Et en plus, j'ai pu constater la qualité de leurs vêtements. Franchement, ce que j'ai reçu, j'ai tout essayé. Tout me va. Au niveau des tailles, vous savez, vous avez un guide de taille qui est fourni quand vous sur chaque article. Faut le consulter à chaque fois que vous prenez un article parce que c'est pas forcément le même suivant la taille du vêtement. Et il n'y a pas d'erreur. Franchement, au niveau, par exemple, du tour de poitrine ou du tour de taille, de hanche et tout, ça va nickel. Donc ça, je suis super contente parce que j'avais eu déjà des mauvaises expériences avec d'autres sites où j'avais commandé il y a déjà longtemps et que ça n'allait pas parce que le guide de taille n'était pas bien fait et tout ça. Là, impeccable. Donc du coup, voilà, je vous le dis clairement. C'est pas parce que c'est une collaboration que je n'ai pas, que je dois vous dire que du positif. Je vous dis ce que j'en pense vraiment. Et je vous dis, ça a été Noël pour moi quand j'ai reçu les vêtements et quand je les ai essayés, encore mieux. Donc on est parti, je vous montre tout ça. Alors une petite chose, il faut savoir que j'ai reçu une grosse partie de la commande, il me manque juste 3 petits articles, mais je vous fais la vidéo quand même parce que je veux que vous profitiez de ce Black Friday qui est quand même très intéressant. Et les autres articles, je vous les mettrai en photo à la fin de la vidéo et je vous les montrerai dans un vlog, vous puissiez mieux les voir, mais il y a juste un vêtement qui manque et 2 bijoux, autrement j'ai tout le reste. Donc c'est parti. Alors on va commencer tout de suite, bah, je les prends dans l'ordre où je les ai mis, hein. Donc j'ai commandé cette petite chemise comme ceci, fleurie, un manche 3/4, donc du coup voilà, il y a des petits dessins de fleurs sur les manches, des boutons sur le devant. Je vous mets bien entendu les vidéos pendant que je suis en essayage, pendant que je vous montre les vêtements, mais en gros je suis super contente. J'avais juste peur parce que moi quand j'achète des chemises, en général ça ferme pas ici. Et bah comme vous allez voir dans la vidéo, j'ai même de la marge tellement que c'est bien, donc du coup elle me va à la perfection, j'aime beaucoup. Il y a pas mal de vêtements, quand je les ai portés sur moi je me suis dit oh c'est cool, le jour où je serai enceinte je pourrai les porter quand même parce que c'est large en bas. Donc du coup voilà, mais je l'aime beaucoup et franchement ouais top. Je vous mets les prix là comme d'habitude, comme ça au moins ça vous permettra de voir, et en dessous de la vidéo vous retrouvez tous les liens des vêtements que je vous aurais présentés. Mais celle-ci, gros coup de cœur. Au niveau des tailles, la plupart c'est du XL que j'ai pris. Et il y en a une, je crois que c'est la robe, où j'ai pris du triple XL. Mais ça, vu comme ça taillait, j'avais pas trop le choix. Mais j'en suis amoureuse, j'en suis dingue. Donc du coup, voilà, premier vêtement, j'aime beaucoup. Je vous dis juste, au moment où je tourne, j'ai Juliette qui est juste en face de moi en train de prendre son petit déjeuner. J'avais prévu de tourner cette vidéo plus tard et en fait avec le Black Friday qui arrive je vous la tourne maintenant et du coup elle me regarde au lieu de manger. C'est pas terrible. Je vous garde le meilleur pour la fin à mon goût. Ensuite on y va avec ce petit haut. Alors j'ai pris des hauts très fluides, j'ai pris que des hauts sauf une robe, mais là vu la qualité de la robe et comme sa taille je recommanderai la prochaine fois, c'est certain. Du coup voilà, j'ai pris ce petit haut comme ça en dentelle en haut et très fluide en bas. Vous voyez, il est fait comme ceci là en haut. Il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup le tombé que ça a sur les épaules. Je trouve ça vraiment sympa. Au niveau des manches, vous avez un petit bout noir un peu resserré au bout de la manche comme ceci. Et c'est vraiment super. On se sent très très bien dedans. Il est très agréable à porter. Et voilà, donc du coup celui-ci je suis très très contente. Après je vais vous dire ça pour tous les articles parce qu'il n'y a pas un seul article où je suis déçue. Il y en a peut-être un ou deux où les manches sont un chouïa trop longues, mais ça c'est parce que je suis trop petite. Et parce que autrement au niveau de la taille ça va très bien. Donc du coup voilà, j'en suis vraiment très contente. Ensuite on continue avec un autre petit haut dans le même genre que le gris, sauf qu'il est un petit peu plus serré. C'est un petit haut violet, pourpre, violet, allez, violet, avec un peu la même chose en haut au niveau d'un empiècement
en dentelle, sauf que l'empiècement descend un petit peu plus bas sur le t-shirt, c'est-à-dire que vous voyez, il est posé sur le t-shirt comme ça, comme un voile, et c'est très joli. À l'arrière, c'est exactement la même chose. Sur l'autre, je ne vous ai pas montré, mais c'est pareil dans le dos, vous l'avez vu dans la vidéo d'essayage. Et il est un peu moins large en bas, un petit peu plus serré, on voit un petit peu mon petit bidou, mais... je suis super bien dedans, c'est hyper agréable à porter. Au niveau de la longueur des manches, on est impeccable. Donc du coup, voilà, franchement, je valide. Je valide à 1000%, j'aime beaucoup. Après, tous les vêtements que j'ai pris, je l'ai pris dans le rayon grande taille, parce que chez Rose Gall, il y a du classique et du grande taille. Leur rayon grande taille démarre au L, donc 44. Donc du coup, moi j'ai pris que dans les grandes tailles, parce que justement, c'est taillé pour les personnes un peu fortes comme moi et qui ont de la poitrine surtout. Donc du coup, voilà, et je peux vous dire que je ne suis pas déçue. Donc, pour le deuxième, voilà, troisième plutôt. Ensuite, je suis partie dans mes couleurs qui me vont très très bien. Le rouge, vous me connaissez. Donc du coup, j'ai pris cette petite tunique qui descend quand même assez bas. C'est-à-dire qu'elle est en pointe sur les côtés. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, vous verrez mieux sur l'essayage, voilà. Elle est en pointe sur les côtés, vous avez une espèce de petite dentelle sur le devant, donc c'est une dentelle transparente, hein, comme ça, voilà. Et ensuite, tout le devant, vous avez un empiècement en dentelle qui est super joli aussi. Alors celle-ci, j'ai un souci de longueur de manche, hein, parce que je suis petite, parce qu'après au niveau du tombé, on est bien et tout, au niveau de la taille, on est bien. C'est juste que bah, les manches sont un chouïa trop longues pour moi, mais ça, personnellement, ça me dérange pas, parce que j'aime bien en hiver avoir les manches qui tombent sur mes mains. J'aime bien avoir les manches qui tombent sur mes mains en hiver et tout, j'aime bien pouvoir mettre mes petites mains dans mes manches. Donc moi personnellement ça me dérange pas, mais voilà, juste vous dire que les manches sont plus longues que sur certaines autres. Et ça c'est pareil, je crois que c'est même du double, non c'est pas du double XL, non c'est du 1XL. Donc 1. Donc du coup voilà, et je la trouve vraiment très jolie, je sais pas comme vous voyez au niveau du tombé, c'est impeccable et tout, c'est vraiment, j'adore, j'adore. Et au niveau du porté, alors celle-ci, le gris aussi, sont très fluides, très... Vous voyez au niveau... On voit que c'est lourd, on voit que c'est porté... Enfin, que ça tombe bien et tout. Et c'est vraiment très très joli. Enfin, franchement, quand j'ai commandé au début, je me suis dit, j'espère que ça va m'aller et tout ça. Parce que j'avais vraiment peur qu'au niveau des tailles, ça ne corresponde pas vraiment bien. Et là-dessus, vous pouvez y aller, vous fiez vraiment au guide des tailles qui est fourni avec le vêtement. Et vous n'avez pas de soucis. Ensuite, il y a... J'adore ce pull. Vous le voyez de dos, il est rouge, mais vous n'avez pas vu le devant. Vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts. Tada! C'est un pull de Noël avec un sapin blanc dessus. Ça fait même rigoler Juliette. Donc, il y a que celui-ci. J'aurais peut-être pu prendre une taille en dessous, mais en même temps, c'est le genre de pull qui se porte large. Vous voyez, c'est une grande encolure comme ça. Donc, en fait, vous pouvez le porter en encolure large classique ou vous pouvez le faire tomber sur une épaule et le remonter comme ça. Je vous le montre d'ailleurs dans l'essayage. Et il a les manches encore un petit peu longues, mais au niveau du tombé, au niveau de la taille et tout, à l'endroit où ça arrive, c'est la bonne taille. C'est juste mes bras qui sont pas assez longs, mais j'ai toujours eu ce souci là dans tous les magasins possibles avec les manches trop courtes, trop longues. Mais en fait les manches sont larges et resserrées au bout, donc du coup ça dérange pas plus. Et j'aime bien, je vous dis toujours, mettre mes mains dedans, hein. Et du coup je vous montre le dessin de plus près. Donc c'est un sapin avec des flocons de neige et... comment vous dire, il est trop canon, je l'adore. D'ailleurs, je l'ai déjà mis pour vous tourner une vidéo, d'ailleurs. Hein. Vous le verrez. Bah, samedi, pas samedi qui vient, samedi d'après, le 1er décembre, bah, vous me verrez en vidéo avec ce pull-là qui est juste trop, trop, trop canon. Je l'adore, je l'aime d'amour. Alors ensuite, il reste trois articles. Oui, trois articles, parce qu'il y a un bijou avec. Donc, encore spécial Noël. Donc en fait, là, j'ai enclenché le mode Noël. Celui-ci, j'ai longtemps hésité avant de le commander, parce que je me suis dit que c'était quand même très voyant. Et après, je me suis dit que quand on sort dehors en hiver et qu'il fait froid, on a un manteau sur soi et que on a nos sous-pulls, on les porte que quand on est chez nous. Donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être juste canon à porter sur la période de Noël. C'est... celui-ci, il est trop trop beau. Il rend aussi bien que sur le site. Donc c'est un gros bonhomme de neige, un gros Père Noël comme ça. Donc vous avez le choix en trois couleurs sur le site ici, c'est-à-dire que vous avez noir, rouge et je crois que c'est vert l'autre. Et il y a un petit fil dessus. Et voilà, donc le dessin est juste trop canon. Vous avez des manches comme ça en petite dentelle et sur le haut
Donc sur le devant, vous avez le dessin. Et là, après, à partir des épaules, vous verrez mieux quand ça sera essayé. Vous avez la dentelle jusqu'à l'arrière du dos avec un petit bouton pour fermer. Et voilà, c'est juste trop canon, j'adore. J'aime beaucoup le tombé que ça a. Et j'aime beaucoup parce que c'est asymétrique. Donc du coup, c'est-à-dire que, bah, vous voyez, devant, c'est un petit peu plus long que derrière. Hein, voilà, et c'est vraiment très joli porté. J'avais peur que ça fasse trop kitsch. Et en fait, non. Moi, je trouve pas ça kitsch, je trouve ça bien. Je le dis toujours, je serais heureuse aux États-Unis sur la période de Noël parce qu'ils sont toujours habillés avec des trucs hyper voyants comme ça. Et voilà, donc moi, cette année, à la base, je voulais un pull moche de Noël. Et là, j'ai deux super hauts de Noël qui sont loin d'être moches, bien au contraire. Donc voilà, ça, gros coup de cœur. Mais ils en ont plein, hein, des comme ça. Il n'y a pas qu'avec le Père Noël, il y a, ils ont toute une série de Noël qui sont juste magnifiques. Et j'adore, et j'ai eu trop de mal à pas commander que du Noël. Je me suis dit, mais tu vas pas commander que du Noël parce que le Noël, tu vas le porter là, mais après, tu porteras plus. Ça sert à rien, donc je me suis quand même forcée à prendre des vêtements qui allaient me servir pour les jours d'après. Donc du coup, voilà. Ensuite, je vous montre le dernier, le meilleur pour moi pour la fin. En dernier, c'est un vêtement. Avant, je vais vous montrer les petites boucles d'oreilles que j'ai commandées. Et je vais en recevoir d'autres. J'en ai commandé des spéciales Noël, justement pour pouvoir vous faire des vidéos et tout. J'ai craqué sur ces petites boucles d'oreilles-là, qui sont des petites boucles d'oreilles chat. Et je les trouve trop belles. Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient en métal. J'étais persuadée que c'était du plastique. Et en fait, non, c'est du métal. Et elles sont super jolies. Donc, c'est des petits crochets. C'est des petits crochets comme ça, vous voyez, donc ils se glissent dans l'oreille, hein, des petits... Je sais pas comment on appelle ça comme crochet, je sais pas du tout. Et c'est des petits chats, et portés, franchement, je trouve ça très joli. C'est pas lourd du tout, hein, même si elles sont en métal, elles sont vraiment toutes légères, et j'aime beaucoup le petit dessin qu'il y a dans le chat. Voilà, comme ça, j'aime beaucoup cette petite fleur et tout, je trouve ça très joli. Et bah, j'ai hâte de pouvoir les mettre, ça me changera un petit peu de mes boucles d'oreilles classiques, hein, que je mets tout le temps. Voilà, et donc le meilleur pour la fin, le meilleur pour la fin, je me suis commandé une robe de Noël. Mais alors là, vous pouvez pas faire plus cliché, kitsch et tout ce que vous voulez avec, mais j'adore. Ils ont un nombre incalculable de robes de Noël et je pensais pas que ce genre de coupe de robe pouvait m'aller. J'étais un peu sceptique sur le fait comme c'est cintré à la taille. Je me suis dit, moi qui suis pas très marquée au niveau de la taille, je suis pas sûre que ça fasse joli. Et en fait, je me suis dit, je prends le risque. J'en commande une et je verrai. Et ben, je suis pas déçue. Je peux vous dire que je ne suis pas déçue. Donc du coup, alors je vais vous la montrer là, vous la verrez carrément mieux portée sur moi parce que c'est quand même une robe, donc du coup au niveau longueur vous aurez du mal à voir. Mais déjà, je vous montre le haut. Voilà. Elle est bleue, alors elle est beaucoup plus foncée que vous la voyez à la vidéo. Elle est un peu plus dans les bleus électriques. Et en fait, elle est comme ceci. Donc là, vous allez me dire, ouais, c'est une petite robe de Noël classique. Non, vous n'avez pas vu le bas. Donc déjà, elle est cintrée à la taille. Et regardez le bas de la robe. Regardez ça. C'est pas trop joli. C'est pas trop canon, cette robe. Non, mais un truc de fou. Même Juliette, elle adore, hein, comme d'habitude. Et donc en fait, c'est une robe qui arrive au niveau du genou. Donc vous voyez, je ne peux pas trop vous la montrer en entier. Voilà, je vous laisse la regarder là portée. Donc moi j'avais peur quand je voyais les modèles sur le site. Je me suis dit c'est le genre de robe qui m'ira jamais, étant donné que c'est hyper cintré et tout. Et ben en fait si, alors là oui j'ai pris largement au dessus. J'ai vraiment suivi le guide détail sans pour autant regarder et dire oh, mon dieu triple XL c'est trop grand et tout. Non, j'ai regardé le guide détail, j'ai bien pris mes mensurations aux épaules, à la taille, aux hanches. Et il y avait quoi d'autre comme mensuration? Et au niveau de la poitrine surtout, parce que ce genre de robe, donc, c'est un peu élastique, mais pas trop. Hein. Donc je me suis dit, voilà, il faut que ça tombe pile et il faut que ça ferme. Et donc j'ai pris vraiment, j'ai regardé les mensurations, j'ai vraiment pris avec les mensurations indiquées. Et je ne me suis pas trompée, j'ai vraiment la robe qui me va impeccable. Vous avez pu voir ce que ça donne. Et voilà, donc du coup, elle a une petite fermeture éclair là sur le côté ici, comme ça pour pouvoir l'enfiler plus facilement. Me concernant, personnellement, je ne l'ouvre pas parce que ça passe tout seul. Mais du coup, vous voyez, elle descend là et elle va jusque, hop, jusqu'ici. Voilà, jusque là. Et c'est une fermeture éclair invisible. Donc, une fois que vous la portez, on la voit vraiment pas du tout.
voyez, hein, on la voit pas du tout. Et voilà, au niveau des épaules, elle est un petit peu large, donc faut porter avec un soutien-gorge, soit vous décalez les bretelles, soit vous portez un soutien-gorge sans bretelles, et c'est vraiment, mais je la trouve super jolie, donc bien sûr, là sur l'essayage, je l'ai portée avec un pantalon, un leggings noir, vous pouvez très bien mettre ça avec un leggings blanc, et si vous voulez jouer le truc à fond, mettre un leggings doré ou argenté en dessous, je pense que ça peut donner vraiment très joli, mais ça... C'est ma tenue de Noël, ça c'est certain. Le soir de Noël, je porte ça. Et le lendemain de Noël, je porte le Père Noël comme ça. Je suis équipée pour Noël et je suis trop contente. Du coup, voilà, j'ai d'ailleurs essayé de faire une photo avec cette robe-là pour la mettre sur Facebook et Instagram parce que je la trouve vraiment tellement jolie. Donc voilà, donc au niveau des dessins, je vous les montre de plus près, vous puissiez voir la qualité. Hein, donc vous avez le Père Noël et après vous avez les reines qui suivent. Donc du coup, je vais essayer de vous montrer comme ça, voilà. Hop, je vous la montre comme ça avec les rênes, voilà, hop là, et vous avez comme ça, donc franchement, je la trouve géniale, donc ça c'est un gros coup de cœur de la commande, j'avais vraiment peur qu'elle ne maille pas, et c'est juste impeccable, il n'y a strictement rien à dire. Voilà, donc du coup voilà, j'avais terminé avec cette commande. Une petite chose que je ne vous ai pas montré, c'est quand vous recevez votre colis, chaque vêtement est emballé dans une petite pochette comme ça, réutilisable, c'est-à-dire que vous avez un petit zip en haut comme ça, vous l'ouvrez, hein, hop, voilà, donc ça pour mettre dans la valise quand vous partez en voyage pour séparer vos chaussettes, vos culottes ou alors pour mettre votre linge sale ou pour mettre vos produits de toilette et que ce soit bien hermétique, ça c'est génial. Du coup j'en ai plein. J'en ai plein, je suis trop contente. Au niveau de l'envoi, ça a mis 6 jours à arriver, parce que ça part de Chine bien sûr, et c'est livré par la poste, donc du coup j'ai eu aucun souci au niveau de la livraison, ça a été mis dans ma boîte à lettres directement, et c'est juste impeccable, très bien emballé, les vêtements sont bien pliés quand vous les recevez dans les petites pochettes, c'est dans un sachet souple, hein, donc du coup c'est pratique à rentrer dans la boîte à lettres. Donc du coup voilà, et pour ce qui est, quand il y a, moi il y avait beaucoup de vêtements dans mon... Comment ? Dans ma commande, et les boucles d'oreilles étaient emballées dans une petite enveloppe qui était glissée aussi dans le colis, donc il n'y avait aucun risque de les perdre et tout ça, on voyait bien l'enveloppe, donc ça c'était vraiment bien fait. Donc je suis vraiment super contente. N'oubliez pas que je vous ai mis tous les liens en dessous de la vidéo des vêtements, le code promo, et je vous ai mis également toutes les dates pour le Black Friday, si ma mémoire est bonne, c'est du 23 novembre, donc jour, vous verrez cette vidéo, non même, vous la voyez la veille d'ailleurs, et jusqu'au 26 novembre, donc du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce que j'ai commandé vous a plu aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que vous avez aimées, si vous ne faites pas le même gabarit que moi, c'est sûr que vous n'allez pas commander le même genre de vêtements, parce que moi la plupart des vêtements que j'ai pris sont taillés en grande taille, mais il y en a quelques-uns qu'on retrouve dans les tailles normales, et aussi dans les tailles normales ils ont des super trucs, d'ailleurs des trucs que je regardais, je faisais non, ça je ne peux pas commander, ça ne m'ira pas, mais voyez, vous pouvez, il y a des robes de Noël qui sont un petit peu plus cintrées, encore vraiment dessinées, il y a vraiment plein de choix, je vous laisse aller voir, en tout cas vous pouvez y aller les yeux fermés, j'ai eu aucun souci avec la commande, aucun souci avec la livraison, aucun souci avec la qualité des vêtements. Pas de trous, pas de fil mal arrêté, pas de trucs comme ça, vraiment impeccable. Et je voudrais adresser un grand merci au site Rosegal pour m'avoir proposé cette collaboration, un grand merci à vous, le budget n'était pas négligeable, c'est pour ça que ça m'a permis de commander pas mal de vêtements et de pouvoir vous en présenter pas mal, donc vraiment merci à vous, je suis très contente, je vais pas le cacher. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.